Hello tout le monde. Du coup, on jouait récemment à Among the Sleep. Pour faire un petit résumé, c'est un jeu horrifique où on contrôle un bébé qui a, je crois, 2 ans, grosso merdo, et qui se balade dans sa maison pour faire des trucs bizarres. Et en vrai, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment ça. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la finalité, si ce n'est qu'on sait que quelque chose lui court après, visiblement. Mais du coup, voilà. Oui, qui n'a d'un bébé que le physique parce qu'il passe son temps à se gameler et que visiblement, il a des os en mousse parce qu'il se relève tout le temps. Voilà. Hein. Du coup, c'est bien pratique. Yoshi quelque chose. Oui, voilà, ça y est, c'est bon. Ah, on s'en sort. Ok, alors, reprendre la partie. Donc, du coup, on en était à une pièce chelou où il fallait regrouper des pièces de puzzle sur un tableau. Et en gros, là, on avait récupéré 2 pièces de puzzle. Et donc, il faut qu'on en récupère encore 2, si mes souvenirs sont bons. Sachant que du coup, on a un bébé qui ne va pas très vite, hein, c'est l'allure d'un bébé. Je peux le faire aller un tout petit peu plus vite quand même en appuyant sur une touche, mais c'est pas une Ferrari en vrai. Oula, ça commence bien. Ok. Non, c'est pas cette touche-là. C'était celle-là, oui. Hop, parce que les grincements, du coup, on adore, n'est-ce pas? Alors, du coup, on disait, je sais plus comment il est censé se baisser, ce môme. Ah oui, voilà. Tac. Hop. Parce que les petites trappes, c'est mignon. Je vais augmenter parce qu'on n'entend pas grand-chose quand même. Tac. Et tu as entre le tout et le rien. Le... Ah! Mais arrêtez de faire du bruit, voyons. C'est pas possible ça. C'est pas bien d'effrayer les gosses, vous savez. Bon. Est-ce que je dois monter là-dessus? Je vais augmenter la luminosité de mon écran parce que je vois que chi. Allô? Non. Ouais, j'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose. Si je monte sur le lit, non, ça sert à rien. Ok. Si tu pouvais arrêter d'être coincé tout le temps. Hop, tac. Bon. Ok, du coup, non. J'ai eu peur. Je peux pas le déplacer ce truc. Ok. Donc c'est une porte. Est-ce que je peux aller autre part? Je viens de là. Là. On va peut-être éviter en vrai. Ah! Oh bordel. Elle m'a fait peur. Oui, donnez des coffees si vous pouvez. Je le dis jamais pendant la vidéo, j'ose pas. Du coup, là, l'objectif, c'est pour améliorer l'ordi.
Parce que du coup, bah, ce serait bien qu'il ait un peu plus de puissance. Là, il est à 8 Go de RAM. J'aimerais bien le faire passer à 16. Et j'aimerais bien remplacer du coup le disque dur et mettre un SSD à la place parce que j'ai un seul emplacement pour un HDD. Et du coup les HDD c'est vachement lent en vrai donc voilà. Mais tu fais bien de le dire parce que j'ose jamais le dire en vrai. J'ai tellement peur qu'on me dise que je fais raquer les gens après, chose qui n'est pas du tout le cas en vrai. Alors, ok, calme-toi le monstre déjà, parce que je suis juste un bébé en fait. On ne mange pas les bébés, c'est pas bien de faire ça. Ceci est un puits. Est-ce que je peux monter dessus? Oui, les jolis stickers aussi. Stickers que à acheter, du coup. Que j'avais fait en holographique d'une petite Notounfeu, qui sont mes bébés, que je vais reprendre à la rentrée de septembre, du coup. Petit univers que je suis en train de. Enfin, petit. Grand univers, en vrai, que je suis en train de créer pour. Pour faire un bouquin pédagogique pour les enfants sur bah, les questions LGBT QI+, quoi. Même les discriminations, en vrai, hein, c'est une globalité. Ouais, j'avoue, c'est pas hyper. Attends. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu retournes. Je peux pas faire plus? Si. Ce. Aïe! Je suis en train de me faire mal aux doigts tellement ce mouvement n'est pas naturel. Aïe. Mon pauvre pouce. Vous n'avez aucune pitié pour les gens qui ont des extrémités tendineuses, hein, moi je vous le dis. Alors, ok. Du coup, je peux le pécho là, de là où je suis. Oui, je peux. Ok. Ça, je peux aussi. D'accord, ok. Il y en avait deux? Non? Ok, donc il y a une pièce de puzzle et il y a une clé. Je ne sais pas pourquoi il y a une clé d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus par où je suis. Ah bah oui, je sais pas pourquoi il y a une clé. Bah si, tu sais pourquoi il y a une clé, ah, je te jure. Alors, monte. Hop. Alors, on va utiliser la clé, voilà. Hop. Du coup, j'imagine qu'on va retourner dans la pièce chelou avec le fameux tableau. Par contre, remets-toi à quatre pattes, ça ira plus vite. Mais parce que du coup, bon, ils ont fait un peu dans la logique, c'est-à-dire que. Ah! Oh putain. Trop de screamers, tue le screamer. Là, j'ai. Au bout d'un moment, il va falloir se calmer. Ah, j'ai fait une crise cardiaque là. Calmez-vous. Du coup, je disais, ils ont fait dans la logique, à savoir quand même que le bébé, du coup, va plus vite sur ses quatre pattes. Puis. Oh bordel. Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel. Non mais là, ça devient du harcèlement de bébé en fait, calme-toi. Je suis cardiaque. C'est pas vrai, en fait j'en sais rien, mais là je vais le devenir à force. Bon, on va faire le moins de bruit possible. En vrai, enfin on va essayer. Hein. Cette clé-là, je ne l'ai pas déjà. Donc, j'imagine qu'il faut repartir dans un endroit, mais où?
Bonne question. Je peux pas me donner une map du jeu là. Une carte, s'il vous plaît. Je suis un bébé perdu. Je viens de là. Ouais, je viens de là. Par là, il y a quoi? Ah, il y avait un truc à prendre. Je peux prendre une branche pour lui balancer dans la tronche. Vous croyez que ça la fait reculer? Et potentiellement, on se met dans le puits, elle nous trouve plus, en vrai. Alors, bon. Là, il n'y a rien. Ok. Je crois que le... C'est quoi cette musique glauque, là, d'un coup? Non, mais arrêtez, là. Je suis tendu, là, d'un coup, avec leurs conneries. Oh, bordel. J'ai fait trop de bruit encore. Elle va arriver, elle va me déchiqueter la gueule. Ok. Ok. Je crois que je viens de me faire bouffer. Je cronche le bébé. Ok. D'accord. Bon. Certes, je viens de là. Nous disions donc que je voulais aller là-bas. C'est pas flippant du tout. Non. Ok. Alors. Bon, on va apprendre à aller lentement. Lentement. Lentement mais sûrement. Donc, est-ce que ça a des chances de fonctionner si je tire ce truc? J'imagine que la clé n'est pas là-dedans. Ce serait trop simple. Et du coup, ça ne me sert strictement à rien. Ok, c'était juste pour vérifier, mais Ok, alors, du coup, ok, et donc ça c'est le gros monstre qui veut nous attraper, on avait compris. La question c'est, est-ce que par là il y a des trucs? Peut-être pas que je tente de faire énormément de bruit non plus, non, je peux pas passer entre les arbres de toute façon. Donc, en tout cas, c'est pas là, déjà. Par là, il y a... Ok. Alors. Et du coup, je ne sais pas si... Si vous voyez des sous-titres sur Twitch, je me demande parce que j'ai activé un truc pour les sous-titres. Mais du coup, j'ai aucune idée de si ça a marché. J'ai vu que ça retranscrivait vraiment là où je l'ai activé. En fait, non, on n'est pas allé par là. On n'est pas allé par là. Je peux te bazarder la planche, ouais. Toi aussi, je peux te bazarder. Ok. D'accord. Très étrange, du coup. Bouteille d'alcool, ok. Faut que je monte sur un fût, peut-être.
Ah non, faut que je monte sur ces fûts-là. Ok. J'ai trouvé la fameuse clé carrée. Je croyais que ça sous-titrait automatiquement Twitch, mais j'ai l'impression qu'en fait ça sous-titre pour que moi je puisse récupérer le. Comment dire? Le fichier après. Et m'en servir. Tu crois avoir compris quoi? Le. Putain. Bordel de cul. Ah! Faut vraiment qu'elle arrête de me poursuivre comme ça, hein. Bon, du coup, j'ai la clé carrée. On va retourner. Je vais pas dans le bon sens là. Par là qu'il faut aller. Oh merde. J'ai fait du bruit. J'ai pas fait de bruit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu m'as pas entendu. Je m'en fous, je vais me cacher. Oh bordel. Ok. Ok. Elle est repartie. Ah, ah non. Non, 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 non. Elle est pas repartie. Ok. Ok, calme-toi. Bah, Vivi, on a des chaussons tout discrets, mais du coup, le pire, c'est que je ne la vois pas. Donc, c'est un peu fourbe quand même. D'ailleurs, je ne sais même plus où est ce foutu arbre là. Ça devait être par là. Tu crois? Tu crois qu'il a mangé un champi? C'est pour ça qu'il entend des bruits bizarres. Ça m'énerve parce que du coup je retrouve plus l'arbre avec leurs conneries là. Je viens de là. Non, si, bah oui, si, je viens de là. J'ai pas besoin d'y retourner, j'en viens. Je veux retrouver mon arbre avec ma clé carrée, bordel. Alors, arrêtez de vouloir me faire peur avec vos bruits chelous. Vous êtes des monstres. Traumatiseur de bébé, là ce que vous êtes. Terminé. Alors moi et mon sens de l'orientation, c'est clairement acheté à la poubelle, hein. C'est pas possible ça. Je vais pas le retrouver ce truc. Ah bordel. C'est pas par là en plus. Peut-être que si je me mettais debout, je verrais mieux où je suis aussi.
La question est, pourquoi maintenant que j'ai la clé carrée, je sais plus où il est l'arbre? Quand même dingue ça. Ok, j'ai pas eu peur du tout. Oh putain. Oh le flip. Oh, elle était tout près là. Eh, faut pas me faire ça. Oh là, j'ai flippé. C'était vénère ça. Oh bordel. Mais je m'y attendais tellement pas. Bon, alors, si tu pouvais éviter genre 2 secondes les bruits chelous, ça m'arrangerait quand même. Quand même. Ah, voilà. Il n'y avait pas un tonneau genre juste à côté, histoire de... Non. Ok, eh ben, on se mène le yonf, parce que moi, là, je suis pas rassuré, genre, du tout. Voilà, merci. Arrête de faire du bruit, bordel. Ah, oh, c'est pas... Ah, mais non, ne fais pas de bruit. Je suis en total flip, là, arrête de faire du bruit, bordel. C'est pas possible ça, on t'a dit d'arrêter de faire du bruit. Non, non, il n'y a personne. Non, 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 il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Je suis sous rien en fait, là. Je me cache sous rien. Ok. C'est là. Je ne sais même plus. Non. Non, 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 non. Non, non, je suis pas là. Je ne suis pas là. Voilà, merci, laisse-moi tranquille. Ah, oh, bordel. Qu'est-ce qui m'a pris de jouer à ça, en vrai, hein, je me demande toujours qu'est-ce qui m'a pris. Parce que en vrai, je suis un putain de flippé. Des trucs d'horreur quand même. Hein. Là, on est. Ah, d'accord. Il manquait qu'une pièce. Ok. Du coup. Tadam, c'est ouvert, c'est génial, c'est génial. Ok, du coup, pour l'instant, elle peut pas nous choper. On est dans un espace safe de maman diabolique. Du coup, je speed un peu. Ok, alors. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est bien, c'est pas du tout flippant comme ambiance. Il y a un piège en marchant jusqu'à la lumière. Ou... Bon alors maman. Non, 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 non. Oh bordel. Non, 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 va-t'en.
Mais arrêtez de me faire peur avec vos gros bruits. Ah, j'ai peur. Putain. Elle a des énormes pieds, en vrai. Des énormes, très très énormes pieds. Si je marche tout doucement, j'ai moins de chances de me faire avoir là ou... Ok, 7, musique n'est pas du tout angoissante. Pas du tout. Ok. Mi-arbre, mi-maman. Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait un peu genre partie de la forêt en fait, étrangement. Je vais aller me cacher sous la commode. Mais cache-toi. Voilà. Enfin, mais elle est partout en fait là. Ah. Et en plus, c'est pas du jeu hein, parce qu'elle marche beaucoup plus vite que nous en vrai. Nous, on a des tout tout petits pieds là. Puis elle arrive avec ses grosses paluches, en vrai. Elle fait du bruit et tout. Fait peur à tout le monde. C'est pas très très cool. Bon, alors. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants par... Non. T'es pas en train de revenir. Hein. Putain. Ah, j'ai peur. En vrai, je sais même pas si, si on doit. Ah, si. J'allais dire, je ne sais même pas si on doit aller par là. Mais en vrai, si. Ah, le prochain souvenir. Ouais. Ah ouais, un peu de calme, de détente, tout ça. C'est pas mal. Je me demande si ça fonctionne. Hein. Je sais pas du tout si. Ok. Alors. Mais j'ai soif, dit la lapine. La lapine pleura sans s'arrêter. Elle pleura tellement que ses larmes remplirent le fond du puits. Ok. C'est tout? C'est un peu rapien hein, comme histoire. T'es allé vite là quand même. Ah, c'est reparti pour un tour de toboggan. Tiens. Ça faisait longtemps. Allez, hop. Bonne question. Je sais pas du tout du coup. Qu'est-ce qu'on lui prend? Qu'est-ce qu'on fait fondre? Du coup, ça va être une session JV plus petite que d'habitude, je pense. Parce que là, va falloir que je libère la pièce dans peu de temps. Mais au moins, on aura fait une partie et il manquera une deuxième. Ouais. Du coup, je suis censé... Ah oui, bah oui. Ah, le livre, en fait. Donc, on va faire fondre un bouquin. Voilà. Parce que la crise du papier, tout ça, ils connaissent pas, en fait. Du coup, on fait fondre les bouquins, ici. Parce que on s'en fout. Voilà.
Ah oui, non, c'est vrai qu'il faut que je pousse la porte d'abord. Voilà. Allez, hop. Allez, hop. Ouais, ça nous aura fait une petite partie de plus. On s'approche d'elle, je le sens. Ouais, j'ai pas l'impression hein, qu'elle soit inquiète vu tout ce qu'on fait là. Bon, allez, vas-y, on va presser le bouton ensemble. Hop. Voilà. On va avancer jusqu'à la prochaine sauvegarde. Et puis ce sera très bien en vrai. Et on prend Teddy parce que Teddy est un flemmard qui marche quand il a envie, visiblement. Et donc là, visiblement, il n'a pas envie. Ah tiens, ça ressemble un peu à une chambre d'enfant. Est-ce qu'on retourne dans la maison? Est-ce qu'on retourne dans la chambre? Bonne question. En tout cas, on retourne dans un toboggan. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai... Ah oui, d'accord, oui. J'avais oublié qu'on s'était arrêté là-dessus. Du coup... Le petit grincement flippant. Bonjour. Alors... J'essaie de... D'accord. C'est juste pour projeter mon ombre. Essayer de comprendre si... Ok. Alors, l'ambiance est toujours aussi bizarre. Pourquoi il y a des gros booms? Aïe. Je vois rien. Teddy, protège-moi des monstres. Hop. Il n'y a rien par là. Ok. Il y a visiblement... Ah, quoique. Je peux la pousser. Ouais, je peux la pousser. Hop.
Ok. Au bordel. Au bordel, au bordel, au bordel. Oula. Je fais déjà trop de bruit. Oui, alors du coup, il faut être le plus silencieux du monde possible. Parce que sinon, l'ombre vient nous tomber sur la gueule, en fait. Voilà. Ok. Et ben... Ah, mais... De l'autre sens. Merci. Hop. Ah, j'ai des cachettes. Je peux me cacher. Donc ouais, bon bah voici un espèce de gribouillis du monstre en question. Je suis censé aller dans le tableau, c'est ça? Ah, est-ce que bon, on a déjà eu une histoire. Pourquoi il n'y a plus de... Il n'y a plus de lumière. Ok. Je suis où? Non. Ok. Je sais pas pourquoi je sens venir l'espèce de... Je suis tombé. Je ne sais pas où, mais je suis tombé. Ok, très bien. C'est pas sympa d'éteindre la lumière comme ça. C'est pas sympa. Ok. Mais on a dit reprendre la partie. Qu'est-ce que tu fais? Ok, merci. Voilà. Merde, du coup je suis où moi? Ah oui, voilà, ok. Ok, du coup, remets-toi à quatre pattes. C'est pas du tout flippant. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je dois ressortir. Je vous avouerai que les lumières clignotantes, c'est pas mon trip, hein, en vrai. Ça me fait plus flipper qu'autre chose. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Je veux pas que le monstre vienne me manger. Je suis un gentil petit enfant. Ne me mangez pas, s'il vous plaît. Ok, donc... Ok. T'as pas des flips comme ça, là. Calme-toi. Oh putain. Donne-moi de la lumière. Il se passe quelque chose dans cette pièce. Ok. Certes. Est-ce que tu crois que le Teddy lumineux combat le monstre? On sait jamais, hein. J'imagine que je ne dois pas passer par là. Ok. Du coup, ça devait plus être par là.
J'essaie de comprendre la logique, mais c'est un peu compliqué. Vous voulez que j'aille où en fait? Ah. Ok. Visiblement. Mais ah, je me fais agresser par un truc. Je peux pas passer? C'est étrange. C'est carrément bizarre. Ok. Non mais remonte. J'ai l'impression que ce bébé le fait exprès des fois, vraiment. J'ai dit remonte. Ok. Voilà, merci. Hop. Du coup, c'est bien gentil de me mettre plein de cachettes, mais je vois pas le. Quoique. Ah, ouais, non, je peux pas. Je peux pas remonter non plus. Bah, non. Ah, forcément, il y a un truc que je comprends pas, c'est pas possible. Prends, je t'ai dit 2 secondes. Là. Ça, je peux pas le bouger, je peux pas passer. Non. Bon, il y a un truc que j'ai pas bien calculé, visiblement. Bon, ça, c'est un tas de fringues. Ah, je peux peut-être. Non, je peux pas attraper de carton, non. Ça a pas le. Ah, ah. J'avais pas vu la petite ouverture. Ok. Très bien. Par là. Bonjour, je suis coincé dans une armoire. Comment ça va? Y a pas de sortie là dans ton truc. Je tourne en rond. Qu'est-ce que c'est? J'en viens là. Oh bordel. Oui. Bonjour. Bon, attends. Je peux pas suivre les traces noires là. Laissez-moi suivre les traces noires. Ok. Par là. Non. Oui. Non. Je ne sais pas. Bonjour. C'est pas facile tous les jours hein, la vie de bébé. Ah. Ah, voilà. Là. Trouvé. On va s'en sortir. Oui. D'accord. Est-ce que je dois me suicider? Non, parce que là, c'est un peu bas quand même. On va pas se le tenter quand même. Si. Ah non, bah c'était pas si bas que ça, ok. C'est verrouillé, d'accord. Là. Utiliser LB pour le jeter. D'accord. Ok. Donc, est-ce que. Non. Mais reviens. Reviens, je te dis.
LB. D'accord que c'est celle-là, oui. Non, c'était pas ça. Ok. Je réfléchis. Ok. Ok. J'avais point vu. Hop. Alors. Mal visé. On recommence. C'est très maniable. C'est toujours aussi maniable. Bon. Non. Putain, mais. Pourquoi ça ne bouge pas en fait? Pourquoi ça tombe pas? Un truc. Si je me mets sur le côté, peut-être. Ah, voilà. Oh bordel, oh bordel, oh bordel. Non. Mais je veux me cacher. Elle est où? Elle est pas là. J'ai eu le flip de ma life. Ok. Ok. Du coup. Voilà. Et donc maintenant. Ok. Et j'ai combien de portes à faire comme ça avec des trucs à trouver? Alors, tu entends quel est ce bruit? Bordel. Je suis censé aller par où? Pas par là, ça c'est certain. Ah, il y a un ballon. Bonjour le ballon. Je dois le balancer sur quelque chose. J'essaie de comprendre mon environnement là, mais c'est pas simple tous les jours la vie. Moonwalks, give me the light. Ok. Ok. Jusque-là, ça me paraît plutôt. Ok. Donc là, on est d'accord que. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Hop. C'est encore coincé. Évidemment que c'est coincé. Je voudrais tirer la caisse, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ok,
de l'autre côté, visiblement. Bon, bah, de l'autre côté. Hop. La question, c'est qu'est-ce que je fous de l'autre côté, moi? Y a rien par là, en fait. Quoi ça me sert de faire ça? Je sais pas du tout à quoi ça m'a avancé en vrai. Je ne vois pas. Est-ce qu'il faut que je retourne par là? Il y a bien quelque chose à faire en vrai. Bonne question. Je vais retourner par là. Allez. Faut arrêter, hein. Tu arrêtes de me faire peur comme ça. Il y a toujours le truc avec l'icône de l'étoile là-bas, là. Ah, bah oui, bah si, c'est bon, j'ai compris. Ok. Non, mais tu m'as pas entendu, en fait, je n'existe pas. Je n'existe pas. Je suis un tout petit bébé, tu ne m'as pas vu. Ok, bon. Arrête de faire des bruits flippants. Tac. Ouvre-toi. Merci. Que je suis en train de mourir de peur là actuellement. Je crois bien que je suis. Hein. Mais quoi? Par là, il y a quelque chose d'intéressant ou c'est juste un placard pour se cacher? C'est un placard pour se cacher. Ok. Ce qui est tout à fait flippant, c'est que à chaque fois qu'on arrive dans une pièce avec une traînée noire, ça veut dire qu'elle est passée par là et que du coup, il y a de grandes chances pour qu'elle ait juste envie de nous bouffer en fait. Alors, donc, ok, même délire. Et le pire là-dedans, c'est qu'en même temps que je les lance, je suis en flip complet. Que. Allez,
Allez, yes. Ah, merde, merde. Bon. Et ben, retournons là-bas. Hop. On est sûr que c'était par là. Alors, monte. Pourquoi il veut pas monter? Ah, voilà. Hop. Où suis-je? Aïe. Ok, je suis tombé. Bonjour. J'étais par là, je crois. J'étais par là et du coup, tu t'es cassé la tronche. Je... Non. Ok, bah c'est que c'est pas par là. Ça m'énerve, ça ressemble. Bon. J'ai dû me tromper de chemin. J'en viens de là. Je ne sais plus où je vais. Bonjour. Je peux pas passer par là, visiblement. Okay. Bon, du coup, je vais arrêter d'insister. Tout faire ça, ça, ok. C'est quoi ce bordel? Ok, ça c'est une planche, mais ça m'intéresse pas des masses. Cette porte-là, plutôt peut-être. Non. Il y a des fois, je ne comprends pas la logique de ce jeu. Ah. Voilà. Là, j'ai vu. C'est une trappe. Bonjour, la trappe.
bordel. Tout est fait dans ce bruit pour dans ce bruit. Tout est fait dans ce jeu pour que je fasse du bruit. C'est pas très cool. Ok. C'est bon maintenant. Ok. D'accord. Sauf que je n'ai pas mis mon étoile dans le truc. Est-ce que... Je peux pas passer. Je vais vérifier quand même. Non. Ok, je peux pas passer. Par là, du coup, je suppose. Je comprends pas, c'est trop. Enfin, je comprends pas ce que c'est que ce bordel. Non, je peux pas passer là. Non plus. Y a-t-il une logique? Je peux pas passer là non plus. Ah là, attends, il y a un passage là, je l'avais pas vu. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. Ceci est une cachette. Ah les enfoirés. Au millimètre près. Oh bordel. Merde, merde, merde. Non, 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 non. Purée. Ok. Tu veux bien partir? Merci. Ok, bon. Je savais que ça allait pas se faire sans douleur. Je le savais. Putain, mais... Non, 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 non. Quelle brillante idée de mettre des bouteilles partout quand le monstre se pointe. Dès que... Putain. J'en ai ras le cul. Ok. Du coup. Du coup, du coup. On arrête de faire du bruit. Je dis bien
on arrête de faire du bruit. Ok. C'est un placard pour se cacher. Ça a l'air d'être un autre placard pour se cacher. C'est bien, au moins ils ont pas été dégueux. Ils nous ont mis plein de placards pour se cacher. Sauf que moi, là, je cherche surtout où caler les toiles. Ok. Elle est rentrée dans le placard ou pas? J'ai pas touché à la chaise, moi. Calmez-vous. Alors. Non, 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 ah, ok. Je voulais me cacher dans le placard. Je n'ai point réussi. Attends, mais pourquoi je réatterris là, moi? Mais non. Mais voyons. Mais pourquoi? Mais qui? Mais qu'est-ce? Ok. Bon. Je ne ferai tomber aucune bouteille. Aucune bouteille, te dis-je. Ok. Évidemment, c'est hyper silencieux comme ça. Si je me tape un flip, c'est encore plus drôle, n'est-ce pas? Je m'en fous, je me cache. J'ai un dodo lumineux, ok? Putain. Ils en ont foutu une en plein milieu, ces espèces d'enfoirés.
N'empêche que j'ai toujours pas retrouvé mon étoile jaune. Du coup, je sais pas ce que je fous là, mais j'espère qu'au moins je suis dans le bon sens. Parce que on n'a toujours pas retrouvé cette étoile jaune. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Merci. Putain. Voilà. Je ne suis point visible, ok? Tu ne m'as pas vu. Fous-moi la paix. Vilain, le monstre. Où suis-je? Du coup, là, j'imagine que si je pars par là, je me casse la tronche. Là, il n'y a rien. Ok. Et ok. C'est ce délire de la maison à l'envers, là, exactement. Ah, bah elle est là. Voilà. Ok. Elle est là. Ce qui fait que je pars là. Attends. J'imagine que si je saute là de cette hauteur-là, je lui pète toutes les vertèbres au mioche. Attends. J'ai besoin de lumière. Je me la tente. Je me la tente. Ok, bah en fait je me suis rien pété du tout. Ok. Yes. Les éléphants sont mes animaux préférés, ils ont des grandes oreilles et une longue trompe. Tu es mon petit bébé éléphant. Pas vrai, ma puce. Alors, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que je dois faire quelque chose? Sûrement que oui. Ceci est le doudou éléphant. Ok. On a le dernier souvenir, vite, vite quoi, vite, faut que je redescende. Ah, là. C'est laquelle qu'il faut que j'emprunte exactement? Ça doit être celle-là. Ouais. Ok. Oh bordel.
sais pas s'ils sont au courant que c'est pas bien de faire ça en bébé. Arrêtez, laissez-moi avec vos bruits. Ah, ah. Ah, mais non, non, non. Rends-moi mon nounours. Mais elle a tué mon ours en peluche. Mon teddy. Oui, et du coup. Bonjour, il fait tout noir. Ah. Sauvegarde en cours, oui. Mais Teddy. Ok. Je dois vraiment ramasser des morceaux de mon ours. Ça commence à devenir glauque là quand même. Pas maintenant. Pas maintenant quoi? Pas maintenant ma chérie. Bah très bien, mais moi je t'ai rien demandé en même temps. Donc, pourquoi tu me dis pas maintenant? J'ai dit pas maintenant. Et... Alors, donc, je pense que maman, c'est le monstre. Hein. Il n'y a plus trop de doute là-dedans. Sois sage. Maman a eu une journée très difficile. Oui. Va jouer ailleurs. Je veux juste encore un dernier. Il ne nous séparera pas. Si tu n'aimes pas ça, si tu ne m'écoutes pas, alors je vais me fâcher. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est plutôt clair. Hein. Et tu sais, l'alcoolisme, ça se traite vraiment. En fait, hein. C'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais ça se traite. Alors, moi je suis les lumières, hein, vu que je ne vois plus grand-chose. Au secours, pourquoi je suis bloqué? Mais, ah, arrêtez de me harceler, merde. J'ai l'impression qu'on arrive sur la fin. Et qu'on va faire fondre Elephone là-dedans. Ok, alors faisons fondre Elephone. Voilà. Donc, eh ben, c'est pas glauque du tout hein, d'utiliser la patte de nounours pour activer le truc. Ok, eh ben, go dans le noir. Parce que voilà. Et comme je n'ai point eu de sauvegarde, j'imagine que...
Maman et sa voix flippante, ouais. Voilà. Morceau de puzzle. Ok. Du coup, je ne sais pas jusqu'où je vais. Bonjour, c'est une bouteille d'alcool. Je suis censé aller par là. Du coup, il y a tous les objets qu'on a ramassés pendant le jeu qui sont éparpillés sur le sol. Je suis le chemin. Je ne sais pas où je vais. Je sais pas ce qu'on va faire non plus d'ailleurs, mais. Where are you? Mummy. Ah, elle est là. Elle est là. Peut-être vérifier. Oula, oui, calme-toi. Tu ne m'écoutes jamais. Oui, mais en même temps, c'est un bébé en fait. Elle a 2 ans. Je crois qu'on a toqué à la porte. On va aller voir. Oui, bonjour. Et nous entrons dans la lumière. Bonjour, ma petite puce, viens ici. Tu as aimé ton cadeau et son bras. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ne t'en fais pas, on va le soigner. Serait-ce papa ou grand-mère? Bonne question. In memory of Jory Prune. Et ben, on a fini le jeu en fait. Et bah, du coup, c'était assez glauque comme dernière partie. Mais c'était très cool. Et puis, ça nous a fait un petit let's play tranquillou-pilou. Et ben, c'était la fin de Among the Sleep. Du coup, très sympa comme let's play. Un peu glauque quand même, mais sujet très important qui est l'alcoolisme et surtout l'alcoolisme féminin, qui est trop tabou dans notre société actuelle, n'est-ce pas? Je vous fais des bisous.